Sixième et dernier enseignement de notre série « Comment évangéliser, regarder et imiter Jésus », cette semaine, l'héritage missionnaire de Jésus. L'héritage missionnaire de Jésus, c'est son Église, bien sûr. Si nous regardons attentivement les évangiles, force est de constater que Jésus n'a pas évangélisé seul. Les disciples et les apôtres ont été associés très rapidement à sa mission. Il apparaît clairement que Jésus a choisi d'être entouré par un groupe de personnes très diverses à qui il a confié des tâches multiples. Il y a tout d'abord le groupe des 12. Ils ont été choisis par Jésus parmi l'ensemble des disciples. Ils l'ont suivi et ont été associés intimement à sa mission. Ils ont bénéficié d'une formation particulière. Jésus leur a fait confiance et s'est appuyé très vite sur eux dans l'évangélisation. Ils ont vécu en quelque sorte 3 années d'école d'évangélisation avec Jésus lui-même. École s'appuyant sur la catéchèse, l'initiation à la prière, la formation missionnaire, l'exercice des charismes et bien sûr des missions sur le terrain. Au-delà du groupe des 12, il y a les disciples et les femmes. Luc parle des 72. Le nombre des disciples de Jésus a évolué avec le temps. 72, 120, 500, puis une foule nombreuse, etc. Il faut noter la présence de nombreuses femmes. Pensons à Marie de Magdala, Marie mère des fils de Zébédée, Salomé, Jeanne, Suzanne, Marthe et Marie. Les femmes participaient à la vie communautaire de l'ensemble des disciples et les assistaient de leur bien. Leur présence est surprenante pour l'époque. Jésus voulait les associer à sa mission. Pensons, pour exemple, simplement à la résurrection et à l'annonce de la résurrection. Jésus a voulu l'Église. Jésus a voulu s'entourer d'un groupe de disciples qu'il a formés et associés à sa mission. Sa volonté a été de constituer un groupe de personnes qui continueraient sa mission après son départ. Le choix des 12 revêt une haute signification symbolique. Il rappelle bien sûr les 12 tribus d'Israël et manifeste la volonté du Christ de réunir autour de lui la communauté d'alliance promise par les prophètes. Ce peuple saint, c'est l'Église. Et elle n'existe que pour évangéliser. Jésus a voulu passer par des hommes pour évangéliser. L'institution de l'Eucharistie est l'acte de fondation de l'Église. Jésus se donne lui-même et crée ainsi une nouvelle communauté, une communauté unie dans la communion avec lui-même. L'Église est le corps du Christ. Jésus a donc voulu fonder l'Église, mais non pour que les croyants puissent vivre bien au chaud à l'abri des attaques du monde. Non pour que les chrétiens se soutiennent mutuellement et créent une institution qui leur donne un poids dans la société humaine. Non pour qu'une amicale entretienne précieusement la mémoire de sa vie et de son message. Jésus a voulu l'Église pour qu'elle continue sa mission. Proposer le salut à tous les hommes de tous les temps et jusqu'aux confins de la terre. Toute l'Église est envoyée pour annoncer tout l'Évangile à tout homme, à tout l'homme. L'Église existe pour évangéliser. Tout cela, nous l'imaginons bien, a des conséquences sur notre praxis missionnaire, sur notre pratique de l'évangélisation. Retenons quelques éléments fondamentaux, j'en retiens 7. Tout d'abord, notre foi repose sur le témoignage des apôtres. Nous sommes invités à quitter la subjectivité de nos impressions, de nos expériences, pour adhérer au témoignage des apôtres. Nous sommes invités à équilibrer l'ouverture à la grâce de Dieu et l'acte d'adhésion de la volonté humaine. Pensons particulièrement au cheminement des catéchumènes, des convertis. L'expérience est toujours à compléter par la catéchèse et la formation. Deuxièmement, le sacerdoce. Les prêtres participent à la mission d'évangélisation du Christ. Ils sont d'autres Christ au milieu des hommes. Lorsqu'on voit un prêtre, on voit Jésus. Les prêtres existent et agissent pour l'annonce de l'Évangile au monde et pour l'édification de l'Église au nom du Christ tête et pasteur. Cela passe bien sûr par
les sacrements, l'exercice de la charité pastorale, etc., par toute sa vie. Troisièmement, le célibat pour le royaume. Jésus a vécu sa mission dans le célibat. Et parmi les conseils qu'il donne pour la mission, le célibat figure en bonne place. De nombreux ordres religieux ont été des ordres missionnaires. Aujourd'hui encore, dans les communautés nouvelles, de nombreux laïcs consacrés œuvrent pour l'évangélisation. Ils vivent un renoncement à leur propre volonté pour une union totale au Christ dans un certain dépouillement. Quatrièmement, il n'y a pas que les prêtres et les célibataires, nous sommes tous appelés à la mission. L'évangélisation n'est pas réservée aux seuls spécialistes que seraient les clercs et les religieux. Elle est le droit et le devoir de tout baptisé. Cinquièmement, nous sommes envoyés ensemble par l'Église. Jésus n'a pas agi de sa propre initiative, il était l'envoyé du Père. De même, aucun missionnaire n'annonce l'Évangile en son nom propre. Tout missionnaire est envoyé par le Christ lui-même. Cet envoi est relayé par l'Église. Il assure un aspect communautaire de l'évangélisation. Sixièmement, hors de l'Église, point de salut. Évangéliser une personne, c'est la conduire à l'Église. Évangéliser, c'est proposer le Christ, mais c'est aussi inviter à découvrir l'Église. Enfin, septièmement, nous sommes invités à aimer l'Église. Sans elle, nous ne connaîtrions pas Jésus. L'Église n'est pas parfaite, elle est un refuge de pécheurs, mais nous sommes invités à l'aimer et à la servir comme nous aimons le Christ et nous le servons. Je vous souhaite une belle rencontre, une bonne semaine.